les professionnels sont formés en fait dans le cadre de leur formation initiale et de la formation continue, à l'accueil des publics notamment, et au développement de nouveaux services. Après, je pense que c'est toujours bon en fait de procéder à des échanges avec ou à des voyages d'études pour voir comment ça se passe ailleurs, comment on aborde tel type de population et tel type de nouveaux services, pour pouvoir apprendre en fait en faisant. Je pense qu'il y a une bonne manière aussi d'apprendre en faisant pour découvrir vraiment comment fonctionnent les choses. Ensuite, ouvrir une bibliothèque, s'il n'y a rien dedans en termes de documentation, en termes de services, en termes de qualité d'accueil, ça ne sert pas à grand-chose, c'est un bâtiment vide. Hein, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'un des fondements aussi de la bibliothèque, c'est un espace où on trouve de l'information, où on trouve des documents sous toutes leurs formes, hein, y compris les jeux vidéo aujourd'hui. Donc c'est aussi la qualité du service rendu en termes d'accueil, en termes de documentation, en termes d'action culturelle, de passerelle aussi vers les autres acteurs du territoire. On n'est pas bibliothécaire et que c'est important de se former et d'avoir envie et d'avoir envie de transmettre. Et je pense qu'à partir de là, et qu'on a vraiment l'envie et qu'on se forme et qu'on a toujours ce désir d'apprendre et d'aller vers tous les publics, finalement, je pense que tout est possible. Très bien, merci. Donc du coup, une rencontre qui va croiser les retours d'Olivier Donat. Vous êtes chercheur au département des études de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture. Vous êtes spécialiste de la sociologie culturelle et vous supervisez depuis quelques années déjà les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, notamment auteur en 2009 des pratiques culturelles à l'ère numérique. Vincent Goulet, vous êtes chercheur et enseignant en sciences sociales. Vous êtes un ancien maître de conférences en information et communication à l'Université de Lorraine. Actuellement chercheur associé au laboratoire SAGE pour Société, Acteurs, Gouvernement en Europe de l'Université de Strasbourg. Et vos travaux portent sur la réception des médias par les classes populaires d'une part, la circulation de l'information d'un point de vue transfrontalier d'autre part. Donc depuis hier, les échanges de ce colloque inscrivent la bibliothèque dans une dimension résolument sociale, œuvrant notamment à la réduction des inégalités. Inégalités territoriales d'une part, on songe ici aux zones régulièrement présentées comme désavantagées, voire sacrifiées, qu'il s'agisse de quartiers urbains, de zones périurbaines ou d'espaces ruraux, avec toutes les variantes qui peuvent être identifiées. Inégalités, distances symboliques, culturelles, sociale d'autre part également, auquel la densité du maillage des équipements de lecture publique ne suffit pas à répondre. Afin que la bibliothèque puisse jouer un rôle dans la construction de l'individu, lui permettre de s'étonner, rencontrer, déconstruire ses propres représentations, il lui faut se rendre proche, dans tous les sens du terme, indique Dominique Lahari dans l'introduction du dernier numéro de bibliothèque, proche de ses usagers et ne pas faire l'économie d'une analyse de ses propres pratiques. C'est-à-dire interroger les rapports entre la culture et le pouvoir dans la société et, partant, la place de la bibliothèque comme agent d'exercice de ce pouvoir ou espace d'émancipation. C'est tout l'objectif de cette table ronde qui réunit deux chercheurs afin d'interroger justement cette question des inégalités et de distance symbolique avec, en filigrane, une réflexion sur le rôle du professionnel de l'information dans la reproduction de ces inégalités. Donc je vais d'abord laisser la parole à M. Donat, afin que vous puissiez nous reparler de quelles inégalités on parle exactement, d'où on part. Alors je vais pas répondre à la question, en fait. Je vais faire je vais peut-être même vous prendre à rebours ou à revers, ou je ne sais pas, c'est-à-dire pour essayer de montrer que... aborder la question d'emblée des inégalités, en fait, n'est pas aussi simple qu'on le pense en général, ou que le sens commun français a tendance à pousser dans ce sens-là. Alors, je vais faire plusieurs remarques. La première, d'abord, c'est il faut savoir que la France fait preuve d'une sensibilité particulière à cette question des inégalités. C'est-à-dire que quand on pose, ça a été fait dans plusieurs enquêtes internationales, quand on pose la question toute simple, considérez-vous que dans votre pays, les inégalités sociales sont très importantes, assez importantes, pas importantes du tout, la France est très en haut. C'est-à-dire on est rarement en haut des hit-parades, mais sur cette question-là, on est très très fort. Et il y a un écart
tout à fait important entre les inégalités objectives telles que les économistes les mesurent de différentes manières, sur le PIB ou sur autre, et ce sentiment de vivre dans une situation très inégalitaire. C'est-à-dire, par exemple, les États-Unis, qui sont un pays où les inégalités objectives sont beaucoup plus fortes qu'en France, les personnes, pour la plupart d'entre elles, ont le sentiment de vivre dans une société qui n'est pas si inégalitaire que ça. Cette question a été posée au Brésil, par exemple, et où c'est la même chose. C'est-à-dire, le sentiment inégalitaire est moins répandu au Brésil qu'il est en France. Or, pour ceux d'entre vous qui ont été au Brésil, où il suffit de consulter quelques statistiques pour se rendre compte que, d'un point de vue objectif, ce n'est pas vrai. Alors, deuxième élément, c'est que, par exemple, en France, on est 58% à considérer qu'on vit dans une France, dans un pays où les inégalités sont très fortes ou assez fortes. Et, petite remarque complémentaire qui n'est pas anodine compte tenu de la composition de la salle et de ce que je sais du profil des bibliothécaires en général, c'est que les femmes sont plus sensibles en général aux inégalités que les hommes. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les facteurs explicatifs, ça c'est toujours des sujets fortement polémiques, mais le constat est que les femmes sont encore plus nombreuses, sont supérieures à 60% en fait à dire ça. Bon, la même question dans le domaine culturel, la majorité des Français s'accordent pour dire que l'accès à la culture reste inégalitaire dans notre société. Et il y a plus d'une majorité de Français qui pensent que la politique de démocratisation devrait être plus ambitieuse, qu'il devrait y avoir plus de moyens. Il y en a un quart, en gros, qui dit que c'est bien la politique de démocratisation telle qu'elle est, et il y en a 11% qui pensent que ce n'est pas le rôle. C'est important quand même de savoir qu'il y a un Français sur 10 qui considère que ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics d'avoir ce type d'action. Et après, quand on regarde un peu, pour indiquer la complexité, quand on regarde qui sont ces gens-là, quelles sont leurs valeurs, etc., ce n'est pas que des ultra-libéraux hyper rigoureux. C'est-à-dire que même en termes de catégorie sociale, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, première chose, rappelons quand même, c'est beaucoup cette question de la... qui renvoie à la démocratisation, etc., il y a une dimension franco-française quand même très forte dans cette question. Alors, deuxième élément, c'est que dans le domaine culturel, c'est encore plus fort. Alors, parce que quand le ministère des Affaires culturelles a été créé et confié à Malraux, l'objectif qui était mis en avant, c'était celui de la démocratisation. Et les premières enquêtes qui ont été menées ont été faites par un jeune sociologue qui s'appelait Pierre Bourdieu, et qui après a occupé une position prépondérante dans la sociologie française pendant des décennies, et dont le principal objectif était justement la mise en évidence des inégalités d'accès. Donc, en fait, il y a eu une espèce de rencontre, en fait, ou d'alliance objective, diraient certains, entre les préoccupations des pouvoirs publics en termes de démocratisation et puis le projet des sociologues de la mouvance de Bourdieu, on va dire, de mise en évidence de ces inégalités. Ce qui fait que cette... problématique des inégalités, elle a toujours été très forte dans la sociologie de la culture française. Et alors, elle a été discutée très tôt. Hein. Je vais renvoyer à un bouquin de Claude Guy Grignon et de Jean-Claude Passeron qui date de 89, bouquin remarquable, Le savant et le populaire, où il questionne justement cette question, c'est peut-on interpréter tous les écarts constatés en termes de fréquentation des équipements culturels comme en termes d'inégalités? C'est-à-dire, est-ce qu'elles expriment toujours des formes d'exclusion, des manques, des impossibilités, des obstacles matériels, éloignement à l'offre, ou des obstacles symboliques, parce qu'on ne maîtrise pas les codes, etc. Et Passeron et Grignon insistent sur le fait qu'il faut toujours balancer entre cette approche uniquement en termes de manque et d'exclusion qu'ils qualifient de misérabiliste, c'est-à-dire, oui, et une approche qui reconnaît la légitimité de la non-pratique, d'une certaine manière, et que cette non-pratique de la bibliothèque ou d'un autre équipement culturel peut être l'expression de préférences et de préférences qui sont assises sur des valeurs. C'est-à-dire, on peut ne pas aller à la bibliothèque parce qu'on préfère aller à la pêche, et on peut préférer aller à la pêche pour de bonnes raisons, qu'on est capable d'argumenter. Alors, c'est un point quand même, je pense, qu'il faut toujours avoir en tête quand on est acteur de la vie culturelle ou qu'on est sociologue de la culture. Toujours garder cette hypothèse-là en tête, même si on continue à interpréter les choses en termes d'inégalité. Alors, troisième élément, il y en aura quatre. Troisième élément, c'est que cette
position de tout interpréter en termes d'inégalité, il me semble qu'elle devient de plus en plus difficile à tenir. Parce que la démocratisation à la Malraux, sur laquelle on reste, elle reposait sur l'idée d'une culture très verticale. C'est-à-dire chez Malraux, il y avait de la haute culture et de la basse culture. Et ce qu'il s'agissait de démocratiser, c'était la haute culture. Même le jazz, dans les années 60, était considéré comme une musique de sauvage hein, par de grands intellectuels français. Donc, en fait, dès l'instant où on a lâché beaucoup de lest sur cette définition verticale de la culture et où les acteurs de la vie culturelle font en même temps la promotion de la diversité culturelle. Je rappelle que la convention UNESCO, que la France a signée, reconnaît l'égale dignité de toutes les formes d'expression. Donc il me semble que depuis que l'action des pouvoirs publics en matière culturelle s'alimente à deux argumentaires, celui de la démocratisation, revu et corrigé, mais ça reste quand même plutôt sur le socle de Malraux, et celui de la promotion de la diversité, ben, il y a une très grande difficulté à articuler ces deux paradigmes. Et les gens, quand on les interroge, ils ont totalement intégré les deux paradigmes. C'est-à-dire ils utilisent des fois la culture dans le sens vertical, qui reste la culture légitime, tout ce qu'on veut, etc. Mais ils sont tout à fait à l'aise avec une définition de la culture anthropologique beaucoup plus large, etc. Et ils mixent les deux. Et donc, dès l'instant où on admet que la promotion de la diversité culturelle est quelque chose d'important, ça devient beaucoup plus difficile encore qu'auparavant de tout interpréter en termes d'inégalité ou d'exclusion. Ça veut dire qu'une vraie politique culturelle, elle passe par une politique de reconnaissance des formes d'expression ou des formes culturelles qui ne sont pas prises en compte par la culture légitime. Ou alors, on n'est pas cohérent. Élément 3B, on va dire, toujours dans le même ordre d'idées, c'est qu'après, le sentiment inégalitaire, mais là, je vais juste citer une petite phrase, là, je renvoie aux travaux de François Dubet, à propos de, qui a beaucoup travaillé sur cette question des inégalités et des injustices dans le domaine scolaire, et il montre très bien qu'en fait, le sentiment d'inégalité, il est très lié à l'intériorisation ou non des valeurs méritocratiques. C'est-à-dire, plus on pense que les écarts constatés sont le fait du mérite individuel de chacun, plus moins ces écarts sont interprétés en termes d'inégalité. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est plus on pense que le mérite est récompensé, plus on pense que les inégalités sont acceptables. Si on dit aujourd'hui avec Internet, ce que les gens disent hein, dans des entretiens, aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile d'accéder à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut accéder à toutes les formes culturelles. Mais après, si on veut vraiment se cultiver, eh ben, ça dépend de la volonté des personnes. C'est-à-dire, autrement dit, la situation de pénurie qu'on connaissait dans les années 60, c'est-à-dire manque d'équipement, difficulté d'accès à l'offre et tout ça, une grande partie de la majorité considère que ce problème est résolu, donc que l'offre est facilement accessible. Donc, après, ça dépend uniquement du mérite de chacun d'y accéder. Donc, si on pense ça, il n'y a plus d'inégalité à combler. Quatrième et dernier point, c'est que pour moi, qui suis un généraliste qui travaille sur l'ensemble des équipements culturels, c'est presque paradoxal que ce soit les bibliothèques qui posent la question des inégalités. Puisque quand on regarde la fréquentation des équipements des bibliothèques comparée à celle du spectacle vivant, des musées ou des expositions, c'est clairement la fréquentation qui est la moins discriminante. C'est-à-dire c'est là où le public des bibliothèques ressemble plus dans l'ensemble, surtout si on prend les non-usagers, c'est-à-dire plus on va sur de la fréquentation occasionnelle, ben c'est le public qui est le moins éloigné, on va dire, on va formuler ça comme ça, qui est le moins éloigné de la structure réelle de la population française. Donc d'une certaine manière, il y a un certain paradoxe au fait que vous posiez cette question des inégalités, alors que les gens de la musique classique, par exemple, à ma connaissance, se la posent assez peu. Donc, moi qui suis habitué à voir des colonnes de chiffres, en fait, avec les différents équipements culturels, il y a une espèce de paradoxe là-dedans. Donc, je pense, je ne veux pas apparaître paradoxal
ou prendre systématiquement le contre-pied, mais peut-être qu'il faut penser la complexité aujourd'hui de la fréquentation des équipements culturels, pas seulement dans les termes de l'inégalité. Je pense qu'on a intérêt à complexifier l'approche et à ne pas retomber un petit peu dans la vulgate dont on est tous très très familiers, parce que j'ai essayé de le dire très vite, en fait, elle est vraiment liée non seulement à l'histoire française, mais à l'histoire de la sociologie de la culture française, dont les bibliothécaires sont souvent assez friandes grâce à l'ENSIB. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire au départ. C'est assez intéressant, parce que vous avez devant vous un sociologue qui n'est pas très bourdieusien, et vous avez aussi un sociologue qui est un peu plutôt bourdieusien. Donc vous allez pouvoir avoir les deux sons de cloche. On m'a pourtant beaucoup reproché de l'être, hein. Ah, oui. Et je ne me considère pas comme... Bon, peu importe, ça, on n'est pas là pour faire des querelles d'école. Mais peut-être, du coup, dans ce qui a été dit, il y a deux, trois petites choses qui me semblent intéressantes aussi pour formuler l'objet. Puis après, on rentrera dans les choses un peu plus... peut-être concrète, notamment au niveau des fréquentations, de la position des acteurs. Moi, plutôt que de parler d'inégalité, et c'est vraiment intéressant ce que vous dites, Olivier Donat, je parlerai plutôt en termes de barrières sociales, de frontières, d'accès, alors pas forcément de discrimination comme ça, mécanique, mais où il y a des incitations quand même à aller se rendre dans les bibliothèques ou dans d'autres types d'équipements culturels ou pas. Donc c'est essayer... puisque c'est quand même la mission de l'État et donc et de ses agents, de limiter au maximum ces barrières, de façon à permettre aux individus de pouvoir avoir le maximum de capacité d'agir, de pouvoir collecter des biens qui vont pouvoir leur permettre après de mieux s'en sortir dans la vie. Donc il y a quand même cette question-là, même si on met en avant ce relativisme culturel en disant qu'il ne faut pas avoir une vision normative de ce qui est bon, de ce qui est mauvais de consommer au niveau du bien culturel, on peut quand même se poser la question sur les passages et puis les transformations des usages. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de reprendre dans la sociologie de Pierre Bourdieu la façon dont il articule les différentes espèces de capital. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu des cours là-dessus, donc je ne vais pas vous le refaire, entre capital économique, culturel, et puis le dernier, qui est le plus intéressant et le plus compliqué, c'est le capital social, qui est à la fois symbolique et surtout relationnel. Finalement, je préfère dire que c'est le capital relationnel. Pourquoi ? On va en parler tout à l'heure. Et donc, d'essayer de comprendre que ces différentes espèces de capital dont disposent les individus et les groupes sociaux de manière inégalitaire, justement, puisqu'on n'a pas tous le même stock, on n'hérite pas par sa famille, par son contexte social de ces formes de capital. Donc comment on va pouvoir, comment on va pouvoir les utiliser. Et c'est là où il faut toujours penser en termes d'espace social, c'est-à-dire que mes ressources, bon, c'est pas vraiment des ressources, mais mes ressources, qui sont mes formes de capital, je peux les utiliser dans mes interactions, dans la vie de tous les jours, dans ce qui fait le tissu de ma vie et de ma vie quotidienne, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire travailler la notion de capital avec celle de champ. Alors, on ne va pas parler de champ, mais c'est chaque espace social est une sorte de micro-champ avec ses propres règles de fonctionnement, ses propres règles de reconnaissance. Et on sait très bien qu'il y a différents types de biens culturels qui ne fonctionnent pas tout seuls. On peut être très savant ou savoir des choses très pointues sur tel ou tel sujet. Et puis, on n'est pas dans un milieu social où on peut les réutiliser. Ou alors, si on va les réutiliser, ça ne sera pas avec les codes relationnels qui font qu'ils vont pouvoir qui seront convaincants, qui seront perçus. Donc, en fait, on a une sorte de... pas de contradiction, mais est-ce que les individus, pour s'émanciper, pour évoluer dans leur vie, dans leur positionnement social, est-ce qu'il leur suffit d'accéder aux biens culturels, notamment grâce aux bibliothèques, pour pouvoir ensuite se repositionner dans l'espace social, de conquérir des nouvelles places, et donc peut-être vivre une mobilité sociale ascendante, ou s'ils ne le veulent pas, rester dans leur culture d'origine, mais peut-être la recomposer, etc. Donc l'intéressant, c'est d'essayer de voir comment je vais pouvoir... dans quel type de socialisation, quels usages concrets je vais pouvoir faire de ce que je vais acquérir à la bibliothèque. Et là où je voulais en venir plus sur les questions qui nous préoccupent, c'est se dire, moi je suis sociologue des médias à la base, je ne suis pas un spécialiste des bibliothèques, je me suis interrogé sur la façon dont les individus ordinaires
s'approprier, utiliser au quotidien les informations qu'ils pouvaient voir sur TF1 ou sur d'autres chaînes qu'on pouvait voir. Mais donc, c'est se poser la question, donc quel est le rapport entre le capital, les biens qu'on va pouvoir appréhender grâce à la médiation des bibliothécaires qui vont dire « Ah, bah écoutez, prenez tel livre, il est plutôt intéressant, etc. » ou tel livre, tel film, tel documentaire, qui c'est sur un sujet qui peut peut-être... qui n'est pas toujours le type de film que vous allez pouvoir... que vous avez l'habitude de regarder, mais qui peut vous être utile. Et en quelque sorte, on se rend compte que c'est toute la sociologie des usages qui dit ça, que si vous n'avez pas un milieu où vous pouvez utiliser ces biens-là pour alimenter votre conversation, pour avoir une position un peu de brillance, bah vous êtes un petit peu coincé en quelque sorte. Hein. Donc on pourrait dire que c'est le capital social qui peut tirer le capital culturel. Si je suis dans un environnement où je peux valoriser les biens que j'ai chèrement acquis en passant ces frontières, ces difficultés d'accéder à un autre type de production culturelle, là ça peut marcher. Ça peut marcher avec l'école, par exemple. Dans la mesure où il y a certaines choses qu'on peut acquérir, même si ce n'est pas sa culture d'origine en bibliothèque, qui peut être déplacée dans le niveau scolaire pour obtenir une bonne note, pour faire un bel exposé, pour avoir une autre type de dynamique. Mais à part l'école, et une fois que c'est passé, dans les sociabilités ordinaires, notamment les sociabilités populaires, c'est beaucoup plus difficile de trouver des espaces où on peut réemployer de manière positive, les biens qui sont privilégiés par les bibliothécaires, en quelque sorte, puisque c'est ceux-là qui sont... Bah, c'est normal, on cherche à faire que le niveau monte, en quelque sorte. Hein. Donc, et c'est là où, finalement, on se retrouve avec Olivier Donat, c'est que plutôt que d'avoir cette vision un peu normative de ce qu'il faudrait transmettre, hein, c'est le petit film, on a vu ça, il faut avoir la volonté de transmettre, hein, la volonté de faire passer la formation, plutôt que d'avoir ce côté normatif et toujours un petit peu parfois frustré, parce que, mon Dieu, zut, ils viennent encore demander le dernier Walt Disney, alors qu'il y a un film qui est très intéressant, là, l'esquive, etc., c'est plutôt bien. Donc, il y a une sorte de frustration. Donc peut-être en étant un peu plus inclusif, en élargissant le périmètre des cultures ou des biens culturels légitimes, peut-être que justement on peut faire venir d'autres types de publics dans les bibliothèques qui leur permettront après, petit à petit, on peut l'espérer, de modifier à la marge, progressivement, le type de biens qu'ils vont utiliser, fréquenter, apprécier, et de façon à redynamiser en quelque sorte ce rapport au bien culturel. Donc voilà, c'était pour moi, c'est ça, la lutte contre les vecteurs d'inégalité, c'est quand peut-être les bibliothécaires sont trop dans une question un petit peu normative, et la façon de casser les barrières, c'est peut-être soi-même de casser les siennes qu'on a à l'intérieur de soi, pour pouvoir être un peu plus inclusif et permettre, on va dire, une reconnaissance ou être bien, simplement ça, dans ce milieu qui est très spécial quand même, qui sont les bibliothèques et médiathèques dans notre territoire. J'ai oublié de préciser que si vous voulez intervenir, on va pas, on gardera un temps de questions-réponses en fin de conférence, mais n'hésitez pas à essayer d'intervenir pendant la conférence pour qu'on puisse vraiment animer des échanges tout au long de cette session. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Donat ? Oui, ça. Est-ce que déjà vous voulez réagir à ce qui a été proposé ? Oui. Comment commencer ? J'avoue que la dernière intervention m'a un peu... Comment dire ? Interrogé. Allez-y, ça fait 50 ans. Interrogé, voilà, interrogé, c'est très bien, c'est tendance, c'est parfait. Interrogé. Le côté une culture qui soit utile, qui soit faite pour se valoriser, pour monter, pour être plus haut, pour... moi, ça m'interroge, comme on dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un côté très, très politique là-dedans, d'un discours politique qui me gêne atrocement, j'avoue, parce que c'est pas du tout ma définition de la culture, quelle qu'elle soit, haute ou basse, ou au milieu, ou tiède, ou chaude.
elle n'est pas utilitaire. Elle n'est pas juste faite pour monter dans la société, pour gagner des échelons, pour aller plus haut, pour que le niveau monte, pour que... Elle est aussi faite juste pour soi. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Oui, quand je disais monter, c'est la dimension d'émancipation, surtout, de la culture. Quand je dis monter, ça veut dire changer de place sociale, parce qu'il y a des... Je me suis mal exprimé, mais malheureusement, les individus, ils se positionnent par rapport à un ordre social, à une hiérarchie, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la refuser ou pour, au contraire, jouer le jeu de la surconformité, et puis voilà, être plus fort que les autres, écraser les autres, ou au contraire, inventer de nouveaux espaces de sociabilité, de culture alternative, qui peut-être après seront dominants. Les bibliothèques, comme les autres établissements culturels, ça sert à ça, à ouvrir le champ des possibles, en quelque sorte. Et c'est bien de se poser la question, si finalement, qu'est-ce que c'est que la culture, hein. Vous avez tout à fait raison, c'est la première question à se poser. Bonjour. Alors, j'ai pas de questions, juste une réaction en chaud, parce que là, j'ai un truc que j'ai pas dû bien comprendre, Monsieur Goulet, de ce que vous avez dit. Mais peut-être aussi, Monsieur Donat, parce que je suis une femme et que du coup, je suis plus sensible à certaines situations. Et notamment, bon, alors la première qui m'a pas surprise, mais quand je suis rentrée dans la salle, de voir que la table était composée uniquement d'hommes. On n'est que trois. Ouais, mais trois quand même. Ça fait quand même 100%. Comment ? Ça fait quand même 100%. Oui, merci. Et donc, voilà, en fait, quand vous parlez d'élargir le champ des possibles par rapport aux cultures légitimes et de laisser rentrer d'autres cultures, enfin, j'ai l'impression qu'on fait ça depuis très, 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 très longtemps. Mais est-ce que ça marche toujours ou aussi bien qu'on le voudrait ? En tout cas, ce sont des réflexions que se posent les professionnels, effectivement. Oui, bonjour. Alors, du coup, je vais peut-être aller un peu dans le sens, mais je vais peut-être aller plus loin, j'en sais rien. Mais ce qu'on entend depuis longtemps, et vos interventions montrent bien cette difficulté d'aller vers la démocratisation culturelle, à la fois d'inclure de nouvelles cultures, mais on voit bien que l'objectif, quelque part, c'est cet objectif d'émancipation, c'est... objectif social, mais c'est marrant, effectivement, il va toujours dans un seul sens, et y compris dans nos bibliothèques, on se dit, on va mettre Rihanna, parce que comme ça, on espère qu'un jour, ils vont emprunter James Brown. Et en fait, on ne se pose jamais la question, c'est valable aussi pour les musées, qui effectivement ne se posent pas la question, mais ça pourrait se poser la question. En fait, on dit, il y a des programmes qui existent pour dire, les jeunes de Bondy, on va les faire venir à l'Opéra Garnier, parce que comme ça, ils vont découvrir un petit peu ce que c'est qu'une autre culture. Donc, très bien. Mais on ne pose jamais la question dans un lycée de Versailles et dire, les Versaillais, vous allez aller à la MJC de Bondy pour aller écouter PNL. Vous allez voir, ça va bien vous racler les oreilles. Et c'est marrant. Alors que, franchement, PNL, c'est pas si mal que ça. Et l'Opéra Garnier, bon, très bien, moi, j'irai pas, mais je préfère aller voir un concert de PNL. Mais et c'est marrant, ça va toujours dans ce sens-là. Oui, mais... Et cette idée d'émancipation, c'est pas histoire de monter, c'est finalement l'émancipation va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça pourrait apporter beaucoup aux Versaillais, hein, qui font bien se rappeler qu'ils sont les premiers à se suicider, hein, quand même, que aller voir PNL, peut-être que c'est un remède au suicide, quoi. Hein. Bon, voilà. Oui. N'oublie pas. Allez, là, c'est en référence aussi aux Winkles, hein, Nes Wissing du V. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a pas mal de travaux, y compris ceux de Dominique Pasquier, qui montrent que quand même, il est plus facile pour des gens qui disposent de la culture légitime d'aller braconner dans les cultures populaires. Et donc, il est plus facile aux Versaillais d'aller dans un concert de hip-hop que le contraire pour un gars qui est plutôt culture hip-hop d'aller à l'opéra. Hein. Donc, parce que voilà, c'est l'encanaillement. Hein, on dit c'est bien, c'est aussi une valeur bourgeoise de savoir s'encanailler de temps en temps pouvoir le faire. Or que très franchement, quand vous et c'est très bien que ça existe. Hein, moi, j'ai pas d'avis trop sur la question là-dessus. Mais quand vous prenez des gens qui ont absolument pas l'habitude d'aller à l'opéra et puis qu'on va à l'opéra, ce qui se joue, c'est une expérience sociale. C'est même plus une expérience culturelle. C'est des nouveaux codes, comment jouer un babillet, etc. Il y a Nicolas Joulin qui a écrit un très beau bouquin sur Voyage de classe.
classe, où il explique qu'il avait, il est parti avec une classe de banlieue pour justement aller dans des quartiers où on, le café est à 7 euros, etc. Et il explique très bien le dépaysement, le côté comment on est complètement perdu au niveau des codes pour pouvoir ne serait-ce que commander un café, hein, parce que c'est pas du tout comme ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une hiérarchie sociale et que je regarde avec un petit peu de méfiance les théories du relativisme culturel, en disant oh, bah, finalement tout le monde trouve sa culture et puis tout le monde est content, il n'y a rien à changer, parce que elles sont voilà, les possibilités d'accès et puis après surtout les possibilités de valorisation dans son entourage ne sont pas les mêmes quand même. Alors je suis globalement d'accord avec ce qu'il vient de dire, sauf que quand on essaye de se coltiner concrètement le problème, on se rend compte qu'il est d'une complexité infinie. Alors, parce qu'on reprend toujours les mêmes exemples, c'est-à-dire si on prend d'un côté l'opéra et de l'autre côté le rap, dans ce, et les mauvaises fractions du rap, bon, on s'y retrouve. Les deux populations sont bien sociologiquement typées, etc. Mais si on commence à prendre le plus mauvais de la musique classique et puis le meilleur du rap, on se rend compte déjà que ça devient un peu plus compliqué. Et si on s'intéresse à des formes de musique intermédiaires, on va dire, du type l'électro, par exemple, alors qu'on pourrait être tenté de mettre dans un premier temps dans les musiques populaires, etc., ben, on se rend compte que le public... Ouais, non, mais alors après, ça, et puis c'est un peu plus compliqué parce que la fréquentation, ce n'est pas l'écoute aussi. Si on raisonne, si on veut après rentrer dans le détail, il y a quand même beaucoup de jeunes qui écoutent de la musique électro sans automatiquement aller voir des concerts, etc. Et elle est sociologiquement extrêmement typée également. Ne serait-ce que du point de vue du couleur de la peau, par exemple, aussi. Alors, il y a aussi ça, c'est-à-dire il y a que après, quand on veut qualifier, c'est-à-dire quels sont les critères qui permettent de définir qui sont facteurs d'exclusion, ils sont multiples, en fait. Ils sont, c'est pas seulement, il y a du capital culturel, mais probablement que la question de la couleur de la peau, que dans la France on n'appréhende pas dans nos enquêtes et qu'on peut, qu'il n'est pas question d'appréhender, joue un rôle dans le choix des goûts musicaux, enfin dans les goûts musicaux, etc. Donc, moi, l'idée que, c'est là où sur la hiérarchie sociale, je reste à peu près bourdieusien, mais sur l'idée qu'on peut continuer, comme dans la distinction, à hiérarchiser les formes culturelles ou les genres culturels sur une échelle unique qui serait celle de la légitimité, ça, moi, tous les travaux que j'ai faits et toute la sueur qu'on passe à essayer de montrer ça montrent combien aujourd'hui c'est difficile. Et combien, en fait, il y a des modes d'appropriation pour un genre donné qui sont de plus en plus différents par des micro-communautés, ou pas, etc., et qui rendent les choses, au niveau macro-sociologique, extrêmement compliquées à interpréter, sauf si on plaque une analyse préconstruite au départ sur la réalité. Mais tout à fait. C'est ça que je veux dire. Évidemment, Bourdieu a fait ses travaux dans les années 60, et évidemment, la société française a changé, et puis tout cet éventail culturel et cette hiérarchie des pratiques a totalement changé, et notamment, et c'est tout à fait vrai, ce qu'on appelle la culture moyenne, et notamment dans la musique, puisque la musique est un des lieux où elle se discute le plus. Hein. Alors, c'est étonnant de parler de mauvaise musique classique et de bonne musique populaire ou de bonne musique rap, puisque du coup, on introduit des mots bons, mauvais, qui sont un peu normatifs, mais c'est justement là où, dans la musique, on peut y avoir des dissonances, hein, les travaux de Lahire là-dessus, où on peut très bien aimer tel type de musique, world, avec telle autre chose, etc. Et il y a des recompositions. Mais ce qu'il faudrait ne pas oublier, quand même, c'est que ces façons de recomposer, d'être peut-être entre plusieurs espaces, elles ne sont pas distribuées de la même manière dans l'espace social, quand même, et en fonction des classes et des origines socioculturelles. Et c'est plus du tout... Et des âges et des générations. Et c'est là, et je pense que c'est ça le travail des bibliothécaires, c'est se dire, bah, y a quelqu'un qui vient, et en fait, j'ai plus la grille de lecture pour essayer de lui proposer quelque chose, que je sois tenant du relativisme culturel ou à la Malraux, de dire, ah, on va lui donner une bonne œuvre d'art, et puis il va avoir un déclic, et puis ça va être une sorte d'éveil, comme ça, de décilement, etc., qui sont toujours des choses qui sont, pas tout le temps, mais qui sont parfois dans l'imaginaire, hein, de ceux qui ont un travail de médiation culturelle. Et donc, c'est difficile, mais peut-être qu'on va... redonner la parole pour pas ping-ponger à notre animateur, parce qu'il avait préparé toute une façon de penser la question qui est directement en prise avec votre travail, qui peut-être nous permettra, une fois qu'on a posé les choses, d'avancer, d'avoir peut-être des idées plus concrètes. Je voudrais quand même deux minutes.
Non, je rebondis sur ce que vous avez dit à propos de l'opéra. C'est à ça, je pense que, enfin, si on doit retenir qu'une seule chose, c'est qu'il faut cesser de penser les questions en termes « on va amener telle population dans tel endroit », etc. C'est-à-dire la vraie question, c'est-à-dire amener les enfants au théâtre ou les amener dans une bibliothèque, ça peut être bon et ça peut être mauvais. Ça peut être excluant si l'expérience est traumatisante, s'il n'y a pas eu de préparation au départ, c'est excluant. C'est-à-dire l'effet recherché n'est pas du tout atteint et c'est l'effet contraire qui est provoqué. Donc en fait, la vraie question, elle se pose entièrement dans les formes de médiation qui sont mises en place quand on cherche à atteindre des personnes qui spontanément ne viendraient pas dans l'équipement ou qui ne maîtrisent pas les codes qui sont associés à cet équipement. Et donc, la vraie question, elle commence là, c'est-à-dire quelles sont les formes de médiation qu'on met en place, comment on prépare ces personnes auparavant, comment on leur parle, quel langage on utilise. Et là, il vaut mieux pas utiliser un langage de musicologue quand on est à l'opéra, ni un discours de bibliothécaire quand on est dans une bibliothécaire. Il faut adapter son discours. Il faut, je pense que, et c'est ça qu'on est obligé de faire dans les équipements culturels, c'est qu'on est obligé de multiplier ces registres de discours. Alors que dans la vision Malraux ou avant hiérarchisée, il y avait un peu, c'était comme à l'église, quoi. C'est-à-dire, c'est que il y avait des sachants qui détenaient la parole, la bonne parole, et qui évangélisaient les masses. C'est quand même ça le modèle culturel à la française. Hein. C'est-à-dire, faut être clair. Hein. Il me semble que 50 ans de politique culturelle montrent que ça ne marche pas comme ça. Et que pire, c'est comme je l'ai dit, les effets peuvent être contraires dans certains cas. Si vous rappelez l'école à des gens qui ont été exclus de l'école, ils ne vont pas venir à la bibliothèque après, hein, quelle que soit l'offre de la bibliothèque en question. Donc là, tout le travail, ça va être d'arriver à utiliser un discours et des formes de médiation qui ne rappellent pas l'école à des gens qui en gardent un très mauvais souvenir, par exemple. Et donc, notre société étant de plus en plus diversifiée, les gens ayant eu des parcours quand même beaucoup plus divers qu'il y a 20 ou 30 ans, ayant connu des expériences différentes, ça oblige les gens qui sont en position de sachant, alors que ce soit vous, que ce soit nous, sociologues, à diversifier ces registres de discours, en fait, et à les adapter aux populations qu'on essaye de faire venir. Et ça, c'est effectivement, enfin, de mon point de vue, la réflexion dans ce sens-là est encore assez balbutiante dans le domaine culturel. C'est-à-dire, on n'a pas pris la mesure de la nécessité, en fait, de s'adapter à la diversité des publics. Mais malheureusement, dans les bibliothèques, le public est de plus en plus uniforme. Ah oui, mais c'est ceux qui n'y est pas qui est de plus en plus uniforme. C'est le genre public. Juste pour rebondir à ce que vous disiez, et vraiment, c'est la dernière fois, c'est non seulement il faut voir comment on parle à différents publics, mais surtout se dire sur quel marché des interactions le bien culturel que je vais transmettre à cette personne, comment va-t-il pouvoir le valoriser, l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Voilà. Parce que si effectivement vous réussissez une super médiation, on va à l'opéra avec un groupe qui n'a jamais été à l'opéra, qui ne connaît pas la musique, et que ça se passe bien, mais que derrière ça, il n'y a aucun moyen de pouvoir parler et reproduire, refaire avec d'autres, dans un autre contexte, avec sa famille, des amis, un groupe, j'en sais rien, ça sera un peu un one-shot. Voilà. Et c'est là la limite de la démocratisation culturelle, c'est les limites du social. Et une des grandes questions, c'est le diplôme. C'est-à-dire, à la limite, je vais faire un effort en bibliothèque pour avoir le diplôme. Mais parce que c'est toujours le diplôme qui est le sésame sur le marché de l'emploi. C'est parce que l'employeur reconnaît plus le diplôme que, par exemple, mes capacités à réfléchir, à être avec les autres, etc., même si ça évolue un petit peu. Donc, du coup, crispation sur le diplôme comme étant l'indicateur objectif du capital culturel qui est si important, mais c'est surtout un capital social qui permet d'accéder au niveau de l'emploi. Et là, du coup, vous, bibliothécaire, vous êtes pris là-dedans parce qu'il y a des parents qui se disent « Bon, va travailler à la bibliothèque, c'est mieux, etc., pour réussir tes études. » Ou alors, il y a cette idée de « En allant à la bibliothèque, il va réussir ses études. » Et tout ça, ça se réfracte. C'est là où c'est difficile, c'est que vous êtes pris dans les contradictions de la société française qui a un double discours, quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu... Enfin, vous avez sûrement entendu parler d'une étude faite par deux personnes dont j'ai oublié le nom sur la façon dont les albums étaient choisis et racontés par les parents et en bibliothèque selon le milieu social. Et l'étude montre que
la façon dont les bibliothécaires, là on parle parler des bibliothécaires, racontaient à des enfants de milieux populaires. Ils mettaient beaucoup plus le ton, ils insistaient beaucoup plus, ils posaient beaucoup plus de questions que quand il s'agissait d'enfants de milieux non populaires. Donc c'est vraiment une étude intéressante qui a suscité quelques remous dans les colloques où elles ont été présentées, mais je voulais savoir votre avis là-dessus, si vous la connaissez. Ça veut dire que les bibliothécaires lisaient mieux les histoires que les parents, c'est ça? J'ai pas bien compris l'étude. Non, c'est le contraire. C'est différencié selon l'origine sociale des enfants. Il y avait beaucoup plus d'implicite dans la façon dont les bibliothécaires racontaient des histoires des enfants de milieux favorisés, parce qu'elles supposaient qu'ils n'avaient pas besoin qu'on mette les points sur les i. D'accord. Alors que quand c'est des enfants de milieux populaires, on insiste bien, on met beaucoup plus le ton pour bien qu'ils comprennent l'histoire, et on leur pose des questions, alors qu'on ne pose pas de questions aux enfants de milieux défavorisés. D'accord. Oui, c'est la reproduction sociale inconsciente. Hein. Voilà. J'avais une question sur le fond de votre discours. Je pense que Thomas avait peut-être prévu d'en parler. Mais vous avez beaucoup parlé de parler à nos publics. Il y a une dimension que vous n'avez pas évoquée. Vous l'avez sans doute prévu pour plus tard, mais je voudrais en parler tout de suite. C'est la question du numérique. Parce que nous convaincons bien sûr nos publics, ceux qui veulent bien venir dans nos bibliothèques. Mais il s'agit aussi de convaincre les publics qui sont dans le web. Et donc tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce qu'on va leur proposer par le biais de nos médiathèques. Donc je pense que c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger, parce que si les modèles culturels ont évolué depuis Bourdieu, bien sûr, mais le numérique a fait carrément exploser ces modèles-là. Donc je pense qu'il faudrait quand même peut-être l'évoquer. Moi, je n'ai pas osé, parce que je sais que c'est polémique. Allez-y. C'était prévu. Mais du coup, comme je ne veux pas vous dire, on va en parler plus tard et après on va pas en parler. Je vais vous parler d'une interaction que j'ai eue là au salon avec un des stands. C'est le stand de l'INA BNF qui propose une offre numérique aux bibliothèques, et les abonnés peuvent après prendre des films dans un stock ou des livres, etc. Donc c'est peut-être une des offres numériques, j'imagine qu'il y en existe d'autres que vous avez déjà en bibliothèque. L'idée est très intéressante, c'est pouvoir en VOD, grâce à ma bibliothèque, parce que je suis membre du club, en quelque sorte, pouvoir accéder à des films pas cher, parce que c'est le prix de l'abonnement. Donc on discute avec cette dame, et elle me montre un peu l'interface. Et puis c'est très film art et essai quand même. Hein. C'est assez joli, des beaux titres, des titres qui ne sont pas toujours très accessibles, très faciles, qui sont sans doute des très très bons films. Et je lui dis, mais quand vous avez, je ne sais pas moi, et là je ne parle pas que des classes populaires, parce qu'il y a beaucoup de classes moyennes qui ont des pratiques culturelles populaires, parce que voilà, c'est bien aussi les faits divers, etc. Hein. Donc quand je dis, tiens, j'aimerais avoir un Walt Disney pour passer une soirée en famille avec mes gamins, un petit Walt Disney, un Bambi par exemple, c'est pas là où je vais pouvoir le trouver grâce à cette offre, etc. Alors c'était juste un peu peut-être de provocation, et elle me répond, mais de toute façon la bibliothèque n'est pas faite pour ça. On est là pour offrir d'autres choses que Bambi peut trouver Bambi facilement chez les GAFA. Hein, c'était une manière de dire. Alors c'est pour ça, et Olivier Donat me parlait de l'enquête en cours de Dominique Pasquier, là, justement sur les accès des classes populaires aux cultures, alors industrielles, mais aux cultures, à toute forme de culture via le numérique, et on attend les résultats avec beaucoup d'impatience. Mais on se rend compte que même à travers des outils numérique, on reproduit par des codes, des façons de présenter, des choix de catalogue, des choses qui font que les fractures sociales, elles sont reproduites aussi dans le numérique. Et que c'est sans doute en tapant sur YouTube qu'on va trouver d'autres choses, peut-être beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement, et qu'en passant par la bibliothèque. Et elle continue, pour cette dame, en disant, mais finalement, notre plateforme, elle est très bien, mais il faut beaucoup de médiation de la part des bibliothécaires pour que les gens puissent y aller. Alors vous allez encore avoir du boulot, encore plus. J'espère qu'ils vont augmenter les effectifs dans les bibliothèques, parce que sinon, vous allez être débordés. Oui, bonjour. Alors, je suis là, j'ai un micro. Très bien. Du coup, moi, je voulais revenir sur cette idée de médiation et vous demander, on a beaucoup d'éléments en sociologie pour connaître mieux et de mieux en mieux les publics, les pratiques culturelles, etc. Et je me pose la question de savoir si ce ne serait pas intéressant d'avoir des outils pour mieux se connaître soi-même en tant que médiateur culturel
et justement bien prendre la mesure de toute la dimension sociale de ce qu'on est. Quand on pense que ça va, qu'on lit pour notre propre plaisir et que pour notre épanouissement personnel, et que des fois on manque d'outils pour se dire en fait que nous aussi on a des sociabilités autour de nos pratiques culturelles, nous aussi c'est des choses qu'on réutilise et qui sont articulées à nos compétences sociales. Je me dis que peut-être ça manque d'outils, ou est-ce que vous en connaissez, ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur cette question-là de la réflexivité en fait des médiateurs? Non, moi je ne sais pas répondre à votre question. Vous voulez dire un espèce de forum de auto-réflexif sur vos propres pratiques? Alors, je pensais pas. C'est pour ça que je pensais en même temps que je répondais. En fait, je pense aussi. Il y a la question par rapport aux usagers des bibliothèques. C'est-à-dire l'utilisation des données dont vous disposez, qui est quand même une piste sur laquelle le secteur commercial en fait, est largement engagé. Et je pense qu'il là aussi peut, alors c'est pas la panacée, etc., mais je pense qu'une connaissance fine de quel est le profil de vos inscrits, quels sont leurs emprunts, quel est le profil des abandonnistes, des gens qui sont inscrits une année et qui n'y est pas, etc. Il y a un tas d'exploitations statistiques possibles des données dont vous disposez, ou une réflexion préalable à avoir pour comment améliorer ces données-là, qui peuvent être extrêmement utiles dans une perspective d'élargissement des publics. On en parlait avec Thomas tout à l'heure. On pourrait penser à des stages de réflexivité, c'est-à-dire pendant 15 jours, à l'ENSIB ou ailleurs, vous pourriez faire... Pardon ? À l'INET aussi. Ou à l'INET, oui, voilà, parce que maintenant j'ai appris que tout était séparé. Ouais. Enfin bref, peu importe ça, voilà. Il est possible de faire un stage de réflexivité et effectivement, il y a des outils pour ça. Quand on parle de sociologie des médias et des usages des médias, je dis souvent à mes étudiants, déjà, réfléchissez à non seulement comment vous allez collecter les informations, sur quels médias, Arte, France Inter, etc. Bon, première chose, hein, ça c'est le plus simple, mais surtout avec qui vous discutez de quoi. C'est-à-dire, telle information, j'en parle à qui, concrètement, avec mes amis, avec ma famille, je la partage sur les réseaux sociaux numériques, avec telle ou telle personne, et puis aussi, quel type de choses je suis censé avoir lu. Qu'est-ce qui, pour tenir mon rang, hein, nous, universitaires, il y a certaines choses, si on n'est pas au courant, on paraît comme étant pas à la hauteur, en quelque sorte. Parce que la société nous contraint, par notre position sociale, bonne ou mauvaise, à avoir certaines connaissances, certaines lectures, avoir un avis, d'être plus ou moins critique, etc. Et ça, c'est sécrété par notre socialisation. Donc le premier exercice à faire, c'est tenir un petit carnet des biens culturels circulant dans votre vie personnelle et se dire avec qui je parle, pourquoi, et quelles sont justement aussi la façon dont je le valorise, dont je l'évalue, dont je le fais passer. Tiens, je vais en parler de telle personne, de telle chose à telle personne, mais de telle manière. Et puis parfois, on le présente d'une autre façon à telle autre personne, parce qu'on sait qu'elle a d'autres opinions politiques, mais qu'on cherche quand même à se mettre bien avec elle, etc. Et vous allez vous rendre compte qu'aucun acte n'est désintéressé et qu'on est toujours en train, selon le principe de l'illusion biographique, à présenter les choses de manière agréable, parce qu'on a tout. On a un intérêt, pas que matériel, un intérêt symbolique souvent, à s'insérer dans tel type de réseau, tel type de reconnaissance. Hein. L'important, c'est quelle reconnaissance je peux avoir en mettant en circulation tel type de bien culturel. Et ça, c'est le début de cet exercice de réflexivité. Une fois qu'on l'a fait pour soi, c'est plus facile d'essayer de se mettre dans la peau d'un autre. J'aime bien l'émission de TF1, vie ma vie, là, c'est ça, où on se dit, bon, si je suis dans tel contexte social où je peux, tel et tel bien culturel, je peux les présenter de manière différente, qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux réagir? Voilà. Et du coup, dans les médiations, peut-être qu'on va pas forcément proposer quelque chose qui va être révolutionnaire, mais qui est quand même réutilisable par la personne et qui va, dans ce qu'on pense être
le sens de l'émancipation, c'est-à-dire de, quand même d'acquérir des connaissances, avoir un sens critique, etc. Parce que le sens critique, c'est quand on peut comparer les choses. Hein, quand on n'a qu'une vision des choses, on n'a plus de sens critique. Mais moi, j'adore tous ces exercices de réflexivité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai abandonné l'enseignement standard pour plutôt faire des trucs de ce genre-là, parce que je trouve que c'est là où se jouent les choses. Ouais. Est-ce que, du coup, le fait que... Tout à l'heure, on parlait de numérique. Le fait qu'on interagisse beaucoup via d'autres réseaux, comme les réseaux sociaux, par exemple, avec des gens qui nous sont plus ou moins proches, ça va venir modifier, abonder ce genre de raisonnement ? Je ne suis pas vraiment pas spécialiste des sociabilités numériques. D'après ce que j'ai lu, compris et vu, il y a quand même beaucoup de phénomènes d'homophilie dans les réseaux sociaux numériques, et je pense que c'est vrai. Et donc, voilà, en fait, c'est pas en dehors du monde, le numérique. Hein. C'est comme les mass médias, Bourdieu dans les années 60, avec Morin, le fameux bouquin dans les temps modernes, le fameux article. Bon, ben voilà, le numérique, c'est un canal, c'est une scène d'expression. Souvent, ça fait que redoubler ce qui est déjà vécu dans la vie sociale. Pas toujours, hein. Il y a aussi des portes de sortie, heureusement. Mais voilà. Donc... semble-t-il même que parfois ça renforce les phénomènes d'homophilie, hein, c'est-à-dire où on va plutôt rentrer en relation avec des gens qui vous ressemblent ou qui partagent vos idées. Donc finalement, aller à la bibliothèque, vous allez peut-être rencontrer des gens beaucoup plus divers que sur les réseaux. Monsieur Donat. Je voulais dire deux, trois choses par rapport à la question du numérique. Je pense que ça complique quand même, là encore, je suis désolé d'apporter toujours des facteurs de complexification des choses, mais... pour le coup, le numérique, la question de l'accès, quoi, quand même, parce que la question de l'accès à la culture, là encore, on reste prisonnier de la manière d'envisager les choses d'il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire où la question, c'était la question d'accès, dans une situation objective de pénurie, c'est-à-dire il manquait, l'accès à l'offre était difficile, donc toute une problématique en termes d'aménagement culturel du territoire. Alors, on peut toujours trouver trois territoires où il manque une bibliothèque qu'il faudrait construire. Mais globalement, tous les efforts qui ont été faits depuis les années 80 font que globalement, la politique d'aménagement culturel du territoire est à peu près satisfaisante. Donc, le deuxième, c'était qu'aller à la culture, ça voulait dire aller dans un équipement culturel. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que la plupart de nos consommations culturelles, qu'on soit extrêmement cultivé avec un capital culturel énorme ou peu cultivé avec un capital culturel nul, la plupart de nos consommations culturelles passent par des écrans aujourd'hui. L'offre culturelle, quand vous parlez de l'offre culturelle, on écoute de la musique qui est en ligne, on lit des textes, pas beaucoup de livres, mais... peut-être que les éditeurs, ils sont pour quelque chose. Pas beaucoup de livres numériques, mais parlons pas des films, etc. C'est-à-dire, ça se passe plutôt ailleurs que dans les équipements culturels et sont des contacts qui sont fréquents et pour la plupart quotidiens. Donc voilà, le contexte est assez radicalement différent. Et donc du coup, la question de l'accès, je pense que pour les bibliothèques, elle se pose à deux niveaux différents. C'est-à-dire, la première... C'est la question qui est une vieille question depuis les années 80, c'est quelle est la place du livre dans l'offre de services qu'offre la bibliothèque. Alors, je me souviens de débats moi, de la fin des années 80, c'est doit-on abandonner le terme bibliothèque pour celui de médiathèque ? Qui me paraissait un raisonnement assez de bon sens, moi, hein, puisque si on veut présenter à tous le fait qu'on a une offre diversifiée sur l'ensemble des supports, ça me paraît difficile de continuer à conserver le terme de bibliothèque. Si les mots ont un sens. Bon, mais ça, c'est déjà un vieux débat, mais qui demeure. C'est-à-dire sur comment rend-on compte de la diversité des services offerts par la bibliothèque, par l'équipement bibliothèque, en matière d'audiovisuel et en matière de services numériques. Et après, c'est redoublé par une nouvelle question, maintenant, qui est l'offre de services qu'offre la bibliothèque, sans qu'on ait à se rendre dans l'équipement. Moi, je pense que le virage... que doivent prendre les équipements culturels, en tout cas la question qui est posée, c'est que tout équipement culturel, c'est vrai pour le spectacle vivant, hein, c'est-à-dire c'est la captation des spectacles et la diffusion. Alors à quelles conditions ? Il y a par exemple la Philharmonie à Paris qui diffuse en direct certains concerts le soir même, en parallèle.
il y a de plus en plus d'opéras qui diffusent des opéras en direct dans des cinémas, etc. Bon, c'est la même chose pour les musées, etc. Donc je pense que la question qui est posée aux équipements culturels, c'est qu'il faut, il faut penser l'offre culturelle, il faut dédoubler la question de l'offre culturelle. C'est-à-dire, l'offre culturelle, aujourd'hui, elle existe dans les équipements et elle exige que les personnes viennent dans les équipements, mais elle existe aussi en dehors de l'équipement. Et il y a toute la question de construire une complémentarité et de penser cette complémentarité par rapport à ces deux types de services numériques qui sont offerts. Et au sein de l'équipement, il y a à penser, à clarifier la question qu'on accorde au livre. Est-ce que le fait de l'emprunt du livre physique demeure l'objectif ou la mission principale d'une bibliothèque, ou est-ce que le livre devient un support parmi d'autres, parmi l'ensemble, parmi une palette de services audiovisuels et numériques et de biens culturels qu'offre la bibliothèque. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la question, qui est une double question, en fait. Hein. En fait, c'est comme dans le commerce, hein, ça devient du click and mortar, c'est-à-dire à la fois on a une boutique en ligne, une boutique physique dans les centres commerciaux ou dans la rue. Hein, free, c'était qu'en ligne, et puis maintenant il y a des boutiques free. Et l'un ne remplace pas l'autre. En sociologie des médias, on dit souvent un média ne remplace jamais un autre, mais dans les canaux de distribution, il y a toujours des complémentarités qui se font. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant la notion de club. Je m'étais arrêté au stand de BNF Arte, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle exactement, parce qu'il y avait l'idée club. C'est-à-dire qu'en fait, en adhérant à la bibliothèque de mon quartier ou de ma ville, j'appartiens à un club qui dépasse largement le droit à fréquenter la bibliothèque et d'emprunter des livres, mais je rentre dans... En fait, j'ai une carte avantage, j'ai une carte VIP qui me permet d'avoir des ressources, de jouir, en quelque sorte, de biens culturels chez moi, grâce à ça, et qui est lié avec la bibliothèque. Et donc, en gros, d'être un peu plus... Je vais peut-être choquer, consommateur malin, que celui qui va simplement aller acheter en VOD chez Free son Disney, en quelque sorte. Donc peut-être cette idée de valoriser l'appartenance à une sorte de communauté élargie, bienveillante, où on essaie aussi qu'il y ait des événements, etc., ça peut être une des formes de développement à la fois numérique et physique, parce qu'on s'aperçoit que bah, c'est bien le numérique d'être devant son écran, mais de temps en temps de discuter, c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des redistributions, et c'est ça qui est passionnant. Il y a toujours du nouveau quand même, hein. Il ne faut jamais dire que rien n'est nouveau sous le soleil, et qui font qu'il va y avoir des nouvelles possibilités d'articuler avec le social, et notamment avec les pratiques sociales familiales, le rapport à la bibliothèque, grâce à ces prêts distants, en quelque sorte, que permettent le numérique. Autre remarque ? Et il y a une chose, excusez-moi si je peux, qui je voudrais dire aussi, c'est que, en fait, il y a un problème avec notamment les cultures populaires. On s'aperçoit qu'elles sont de plus en plus orientées vers la société de consommation, vers les industries culturelles, etc., où il suffit de payer, on a voilà, Europa Park, Disneyland, etc. Ça marche très bien. Il y a une sorte de... aussi bien dans les fractions inférieures des catégories supérieures comme des fractions privilégiées, du moins moins désavantagées des milieux populaires, il y a une sorte de moyennisation de la culture. Hein. Je ne crois pas trop caricaturer Pasquier là-dessus, qui me semble avoir raison. Donc il y a une sorte de pression quand même de cette culture normative, hein, Apple, Google, etc. Je ne fais pas un dessin là-dessus. Mais les cultures populaires aussi, c'est un refus de tout ce qui est un peu trop normatif, prescriptif, militaire, scolaire, etc. Et elles se développent dans les interstices, dans les terrains vagues, en quelque sorte. Là où justement, on ne pense pas qu'il puisse y avoir de l'expression. C'est là où va se manifester, s'inventer des nouvelles formes de raconter sa vie, hein, et de créer du lien, hein, ce qui est le propre de la culture. Et donc, semble-t-il qu'il y ait sans doute des espaces aussi sur Internet, comme il y a des espaces dans la rue, avec par exemple le street art et des choses comme ça, qui font qu'il peut y avoir des cultures et des lieux qui sont riches, qui sont expérimentaux. Et tant mieux que nous, bibliothécaires, que nous, enseignants, sociologues, ce que je ne sais, on n'y pense pas et qu'elles se fassent tout seules. Hein. C'est ce que Desserteau disait. Hein. C'est on braconne un peu et chaque individu, surtout ceux qui subissent l'ordre social, ont le droit aussi, de temps en temps, d'aller braconner, d'aller prendre des chemins de traverse, d'aller faire ses trucs dans son coin sans qu'on lui demande des comptes, sans qu'il soit interrogé, hein, comme vous l'avez dit à la fin. Vous avez bien compris l'histoire que je vous ai lue. Voilà, tant mieux. Et peut-être que dans les bibliothèques, si à la limite, derrière la bibliothèque, il y a un groupe de jeunes qui font des trucs pas tout à fait bien, bah, tant mieux. Ça prouve que vous êtes reconnu comme une référence dans l'espace urbain.
Une autre question ? Ouais. En fait, je ne suis pas du tout mon déroulé, donc du coup, c'est un peu en freestyle, hein, on est d'accord. C'est dommage parce qu'il était vraiment bien son déroulé. C'est pour vous faire bisquer. On vous écoute. Bonjour, moi je reviens à l'intitulé de cette rencontre. Ouais. Oui, depuis tout à l'heure, vous parlez des bibliothèques, mais pas des bibliothécaires. Vous, en tant que sociologue, que connaissez-vous de la sociologie des bibliothécaires ? Et là, on parle des bibliothécaires de la territoriale, principalement, pas les conservateurs des grandes bibliothèques universitaires. Voilà. On parle des gens, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'inégalité sociale, d'accord ? Restons dans le social, il y en a d'autres, mais OK. Mais qui sommes-nous, vous, sociologues ? Que pouvez-vous nous dire de ça ? Et quelle est notre posture vis-à-vis de nos publics ? Et quelle est notre difficulté dans cette posture ? Qu'est-ce que nous avons à vaincre comme présupposé, comme réticence vis-à-vis de ces publics que, visiblement, nous essayons de séduire et de gagner ? Moi, j'en suis resté à la thèse de Bernadette Sebel sur les bibliothécaires, donc qui date. Je ne sais pas s'il y a eu de travaux sur sociologique plus récents, en fait, sur le corps des bibliothécaires, mais j'imagine que ça doit exister. En 2009, il y a eu un mémoire de l'ENSIB, effectivement, de David Jonathan Ben-Ruby, qui maintenant est directeur de la médiathèque de Cambrai, intitulé « Et nous, enquête sur les consommations culturelles des personnes travaillant en bibliothèque ». D'accord. Bon, alors, après, faute de pouvoir m'appuyer sur des données objectives, je vais faire de la sociologie spontanée. Alors, il me semble qu'il y a deux propriétés assez évidentes, c'est-à-dire une, c'est que vous avez un niveau de diplôme assez élevé et vous êtes pour la plupart, enfin, il y a peut-être des cas un peu pathologiques, mais vous êtes convaincu que la culture, c'est quelque chose d'important. Et pour beaucoup, pour la plupart, je sais qu'il y a des débats très virulents sur la question, que le livre est essentiel et que le rapport au livre est essentiel. Donc ça, c'est une conception des choses qui n'est pas largement... qui n'est pas unanimement partagée dans la société française. Et qui veut dire aussi que c'est un équipement culturel qui me semble, par rapport aux autres, avoir une double propriété. C'est, d'une part, c'est un équipement de proximité, c'est-à-dire c'est souvent pas très loin de chez soi, etc. À la différence d'un musée, par exemple, les gens, quand ils vont dans un musée, c'est plutôt lors d'un déplacement ou assez loin de chez eux, etc. Donc, ils ont souvent ils connaissent l'équipement, donc ils en font une idée à travers l'architecture, à travers éventuellement les contacts qu'ils ont eus, etc. Ils peuvent connaître la bibliothécaire. En général, c'est rare de connaître le conservateur d'un musée quand on visite. On connaît la bibliothécaire. Et donc, par exemple, si elle n'habite pas, ça, c'est une remarque que j'avais eue dans un colloque, en fait, sur Paris, c'est-à-dire, est-ce que la bibliothécaire habite la ville ou est-ce qu'elle habite Paris ? Et donc ça me paraît assez propre à votre profession. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on ne se pose pas ailleurs et qui me paraissent assez déterminantes. C'est-à-dire, si vous êtes étiqueté par certaines catégories comme une Parisienne qui vient travailler et qui repart, vous ne créez pas les meilleures conditions, en fait, pour avoir un rapport de proximité avec des gens qui vont être éloignés. Et la troisième propriété qui me paraît évidente, là, toujours, si je continue ma sociologie spontanée, c'est, je crois savoir qu'il y a quand même une majorité de femmes parmi les bibliothécaires, et que, ça, j'avais lu un travail qui avait été fait sur les bibliothèques de Toulouse, je me rappelle, qui montrait comment les normes de comportement qui étaient acceptées ou qui étaient tolérées dans la bibliothèque étaient sexuées d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme les garçons avaient tendance, biologiquement, ont une voix plus forte, qui porte plus, donc ça tend à faire plus de bruit, qu'ils avaient tendance, comme ils étaient peut-être plus à l'aise dans cet espace, à venir en groupe, collectivement, et donc que ça faisait plus de bruit, et donc du même coup, ils étaient plus exclus. Et là, que probablement, le caractère très féminin de la profession peut avoir un rôle dans une acceptation plus ou moins grande des comportements des filles et des garçons, et donc, du même coup, est un facteur de la féminisation des usagers des bibliothèques. En fait, voilà.
Excusez-moi, ça peut aller plus loin puisqu'on parlait de questions de genre. Mais je n'écrirai pas ce que je viens de dire. Il y a eu des études également qui montraient que il n'y avait pas la même appréhension effectivement entre femmes, la façon dont les bibliothécaires s'adressaient à leurs usagers masculins ou féminins, et donc les bibliothécaires étaient plus proches physiquement lorsque c'était une petite fille ou lorsque c'était un petit garçon. On montrait également que lorsqu'il fallait parler de sport, par exemple, quand on s'adressait à un garçon, on lui parlait plus spontanément de sport ou de science que quand on s'adressait à une petite fille. Quand on faisait une heure du compte, il y avait une image également de reproduction, on parlait tout à l'heure de domination, une image où c'est toujours la petite princesse qui doit être sauvée par le prince, etc. Donc il y a toujours comme ça une espèce de reproduction qui apparaît. Et à laquelle il faut être au moins conscient. C'est un travail qu'a mené Universcience, notamment dans le numéro 80 de Bibliothèque sur l'inclusion. Il y a un article de, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà, Marie-Agnès Bernardis, pardon, sur tout le travail qu'avaient fait qu'ont fait les collègues d'Universcience, où elles ont analysé toutes les expositions qu'elles proposaient pour analyser justement la place de la femme dans ces expositions-là, et quelle image était rendue. Est-ce que, quand on parlait de science, justement, univers science, on mettait plutôt en avant les garçons que les filles, etc. Donc il y a toute une étude qui existe par rapport à cela. C'est juste pour répondre en deux mots, tenter, parce que moi non plus, je ne suis pas sociologue des bibliothécaires, mais sociologue des journalistes. Et on voit, par exemple, les journalistes, on peut s'interroger déjà sur la formation, le niveau de formation qui est exigé pour que vous puissiez accéder au poste de bibliothécaire. On sait que les journalistes, maintenant, c'est Bac plus 5, c'est master au moins, sinon vous ne pouvez pas devenir journaliste dans un média un peu reconnu. C'est beaucoup du recrutement Sciences Po, beaucoup de concours d'entrée aux écoles de journalistes. Et donc, mécaniquement, il y a une sélection sociale des journalistes qui fait que c'est plutôt des gens issus de milieux plutôt aisés, de professions intellectuelles, etc. Et donc ça a des effets directs dans la production journalistique, puisque du coup le point de vue sur le monde, il est plus de cette catégorie de la population, même si elle est bienveillante et progressiste, de gauche et tout ce que vous voudrez, mais elle reste quand même un peu socio-centrée en quelque sorte. Alors la question qu'on peut se poser, et ça rejoint la question de la réflexivité, des stages de réflexivité, c'est-à-dire finalement, comment j'ai fait mes études de bibliothécaire? Alors je crois savoir qu'il y en a beaucoup en DUT, LP, j'ai moi-même fait un peu d'enseignement en métier du livre, c'est-à-dire c'est quand même plutôt des élèves plutôt bons d'un point de vue scolaire, qui ont le bac, dont les parents ne voudraient pas qu'ils aillent trop à la fac parce que c'est un peu dangereux, il risque d'y avoir des garçons un peu trop entreprenants ou des choses comme ça. Donc on est dans un système où sur dossier, on rentre parce qu'on est trié et qu'on est plutôt avec des élèves plutôt bons dans des DUT qui sont quand même l'ambiance un peu lycée, quoi. C'est pas tout à fait la fac, les DUT, avec pareil la LP. Et c'est la faute à personne, mais c'est une certaine manière d'appréhender la vie, etc. C'est quand même un milieu plutôt clos. Et la bibliothèque est une institution quand même relativement close aussi, globalement, dans la mesure où les règles du jeu sont fixées par l'institution. Elles ne sont pas sans cesse renégociées. Il y a un règlement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, sans parler de sociologie du recrutement, mais là, il y a peut-être des chiffres là-dessus. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de femmes aussi? Il n'y a aucun déterminisme sexué qui fait que ça soit un métier de femme. Enfin, c'est-à-dire, un homme est capable d'être un excellent bibliothécaire aussi. Donc, on peut se poser la question. Il y a une question juste devant et après il y a une question au fond. Allez-y, c'est pas une question, c'était deux remarques très très rapides, voire un peu amusées pour Monsieur Donat, mais comme c'est il y a 5 minutes, je l'ai fait quand même. Comme j'ai été enseignante, ça me faisait friser l'oreille le rapport de similitude avec l'école. C'est la même chose que dans l'éducation nationale si on n'habite pas là où on enseigne. Et je trouve que les deux métiers pour ça sont proches. Ça ne va pas tout à fait si le professeur n'habite pas la ville. Donc c'est la même chose pour le bibliothécaire. Et puis l'autre chose, c'est une sorte de témoignage sans situer du tout ni la bibliothèque, etc. Je suis en gestion de projet par rapport à l'ENSIB. Là, pendant 6 mois, dans une BU où il y a les meilleurs STAPS de France, donc l'enseignement sportif. Et il faut voir quand même comment ils sont considérés. C'est quand même vraiment les gêneurs systématiques. Bon, il y a un regard relativement amusé sur eux, mais c'est assez vertigineux.
Trop de corps. Trop de corps, parce que par exemple, bon, peut-être des gens devineront, mais comme c'est dans la ville où il y a la première salle de sieste en BU de médecine, c'est surtout pas dans une autre des BU, parce que qu'est-ce que pourraient bien faire des sportifs dans une salle de sieste ? Je l'ai quand même pas entendu dire par rapport à d'autres étudiants, vous voyez ? Trop de corps. Et puis et surtout ceux qui font des sports collectifs. C'est ça, c'est un truc. Après, il faut s'interroger sur les bibliothèques. C'est individuel et c'est silencieux. L'idéal, c'est quand même que ça soit. Je ne dis pas que toutes les bibliothèques imposent le silence. Je dis que l'idéal, c'est que, comme celle des conservateurs de musées, c'est qu'il y ait le silence dans les salles et qu'on soit plus. C'est une question de représentation. C'est bien la bronca qui s'est levée. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des gens qui vont prouver par A plus B que le silence n'est plus l'idéal espéré de la bibliothèque. Il nous reste 10 minutes donc, pour cette intervention. Je peux poser une question ? Allez-y. Est-ce qu'il y a des bibliothèques où il y a de la musique en fond sonore ? Oui. D'accord. En dehors de l'espace musique. Hein. Et vous mettez, vous... Oui, d'accord. Oui. On est d'accord. Et vous mettez quoi comme musique ? De tout, c'est-à-dire du classique surtout. C'est bon, du rap. Ça marche. Bien. Il y avait une question au fond. Oui. Alors, moi, je voulais, comme l'autre personne qui est intervenue tout à l'heure, revenir vraiment sur la question du bibliothécaire, effectivement. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure, c'est qu'une bibliothèque, enfin, des bibliothécaires, c'est une équipe. Et que normalement, et là c'est à nous quand même de faire un travail au moment du recrutement, nous sommes censés dans nos équipes avoir différents profils. Et donc avoir une équipe qui est un peu à l'image des publics qu'on va recevoir, c'est-à-dire d'origine et de formation très diverses. Donc la question ne serait-elle pas, faut-il, même si ça fait pas très longtemps que notre métier est professionnalisé, ne faudrait-il pas déprofessionnaliser un petit peu nos équipes, avoir une partie de nos équipes qui a des formations de bibliothécaires, parce que bon, il y a quand même un savoir technique à avoir, et une partie de nos équipes qui viennent d'autres horizons, des animateurs, des jardiniers. Moi, j'ai des jardiniers dans mon équipe et c'est très bien comme ça. Histoire de pouvoir, quand on est en bibliothèque hors les murs, quand on est derrière la banque de prêt, avoir des personnes d'univers différents qui vont proposer d'autres choses au public. Déprofessionnaliser la profession, ça me semble un peu compliqué, notamment dans le sens où, pour être bibliothécaire, il faut quand même être fonctionnaire, donc du coup, réussir un concours. Et donc, vous voulez élargir un petit peu les modalités de recrutement, en fait. On le fait partiellement. Ce que j'entends par déprofessionnaliser la profession ne veut pas dire précariser la profession. Mon jardinier est bien fonctionnaire. Il sait ce que c'est que des missions de service public et ce que c'est qu'un territoire. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je voulais simplement dire qu'il faut s'ouvrir à des autres profils, à mon sens, et que la formation interne, ça existe aussi. Voilà, vous avez des animateurs qui peuvent monter des séquences et qui sont habitués à des partenariats avec des publics éloignés et empêchés, ce que les bibliothécaires, peut-être, dans leur formation de base, ont moins, puisqu'il faut savoir que la formation de base des bibliothécaires n'est pas tournée vers, n'est pas complètement tournée vers la médiation. Et des personnes qui viennent d'un milieu peut-être moins intellectuel peuvent aussi avoir une approche du livre qui est différente et qui est très précieuse quand il s'agit d'aller parler à des publics auxquels on a plus de difficultés. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est une question à se poser et que si nos équipes ne sont pas à l'image de la société, ça me paraît peut-être un élément de réponse pour savoir pourquoi on ne touche pas certains publics ou qu'on ne s'adresse pas à eux aussi correctement qu'on le devrait. Oui, vous parlez ici de complémentarité de compétences, en fait. Très bien.
En fait, oui, c'est la question de déspécialiser peut-être et qu'il n'y ait pas une sorte de modèle unique de la formation de l'excellence bibliothécaire. Mais c'est le même problème pour les enseignants, les professeurs des écoles. Et là, encore une fois, c'est... Comment dire ? Il y a une tendance sociale, culturelle, vers plus de diplômes, comme il y a beaucoup de chômage de masse. Il faut avoir le plus haut diplôme possible pour s'en sortir. Donc, et puis, parce qu'on estime que les métiers de la médiation, et c'est vrai, sont de plus en plus compliqués, donc il faut que les études soient longues. Donc, les professeurs des écoles, maintenant, c'est master. Voilà. Donc, on ne peut plus, avec un bac plus 3, pouvoir passer le concours pour devenir professeur des écoles. Ce qui a des effets sur le recrutement. J'ai parlé des journalistes tout à l'heure. C'est aussi le cas des bibliothécaires. Et donc, ce que vous dites, c'est très bien. Et je suis très heureux que vous puissiez, justement, décloisonner le recrutement et passer outre, peut-être, certaines critères d'excellence ou de reconnaissance de l'excellence qui sont souvent dus aussi à la poursuite d'un cursus bien spécifique, et je pense que c'est un peu l'enjeu devant lequel toute notre société est, c'est-à-dire comment garder l'excellence sans pour autant que ça soit normé, en quelque sorte. Et là, alors il y a la question des syndicats, il y a la question de la façon dont on pense le diplôme dans la société, la question des écoles aussi, qui défendent aussi leur précaré, parce que nous, on sait comment doit être un vrai bibliothécaire. Peut-être qu'il y a une petite révolution à faire, pas mettre tout... faire table rase, mais une vraie remise en question pour permettre un peu, on va dire, ce recrutement sur compétences ou sur, et pas forcément sur diplôme. Alors ça existe sans doute déjà, et c'est très bien que vous puissiez avoir des équipes plurielles, en quelque sorte. Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu le même problème que l'éducation nationale. Il y a plein de choses, il y a des bibliothèques où il se passe des choses super, il y en a d'autres où c'est un peu la routine, hein, faut dire aussi la vérité, parce que tout métier, toute personne qui rentre dans un métier, il a des aspirations, il a des rêves, il a envie que ça bouge. Puis après, il y a la vie familiale, il y a des routines qui se mettent en place, il y a des problèmes de hiérarchie, parfois avec les collègues, où on a essayé 2-3 fois de faire bouger, puis on s'est fait un peu recadrer. Donc, des motivations. Il y a tout ça qui fait partie de la vie. Et c'est une sorte de révolution permanente qu'on doit faire pour arriver à reformuler cette offre par rapport aux usagers. Il reste 5 minutes. Oui, alors dites-moi, vite fait. Alors, je suis un peu en décalage par rapport au moment où je voulais poser la question, donc ça tombe peut-être un peu à plat. Mais il y a deux réflexions pour la salle, en fait, plus que pour nos intervenants. C'est la question du discours qui me faisait dire est-ce que c'est pour ça qu'on avait tendance à mettre, ou qu'on a peut-être encore toujours tendance à mettre les catégories C à l'accueil. Et d'autre part, le fait que le choc qui a eu lieu quand on a brûlé des bibliothèques, et en particulier des bibliothèques qui se pensaient vraiment intégrées dedans. Enfin, voilà. Il y a eu un choc au niveau des équipes de se dire mais comment ils m'ont vu, quoi, comment ils ont vu l'établissement et comment ils m'ont vu moi-même pour brûler ça. J'aimerais... Il reste quelques minutes quand même. Donc je vais essayer de redonner du sens à l'ensemble des interventions, des éléments qui ont pu être proposés. Merci. Qui ont pu être proposés au cours de cette heure. En fait, on a vu un ensemble d'éléments, on a vu un ensemble de biais. On parlait, donc l'intervention portait sur les bibliothécaires en tant que vecteur d'inégalité. On a vu un certain nombre de biais. On a vu des biais d'abord sur cette notion d'inégalité en disant qu'on ne pouvait pas toujours tout interpréter en termes d'inégalité, je l'ai bien entendu. Il n'empêche que néanmoins, il demeure des barrières, ne serait-ce que pour venir à la bibliothèque, des barrières systémiques. On a parlé du jargon, on a parlé du règlement intérieur. On aurait pu parler également en termes de barrières systémiques, de tout le côté administratif. Vous savez, quand on vous demande votre carte d'identité pour vous inscrire à un service, ou alors également du point de vue du mobilier, des banques qui sont gigantesques et qui vont imposer une relation entre le professionnel et l'usager. Tout ça participe, à mon sens, de ce genre de barrières systémiques qui peuvent créer une distance entre l'usager et le professionnel et empêcher que se crée ce que nos collègues américains appellent des « safe places pour différentes communautés. Toujours pour venir à la bibliothèque, on a évoqué ces questions de capital social, de capital culturel également, qui étaient intéressantes, la question du numérique, de l'accès.
On aurait pu évoquer également d'autres questions en termes d'accès. On aurait pu pousser jusqu'à la question de l'accessibilité, qu'on n'a pas beaucoup évoquée, mais qui demeure importante. Est-ce que le bibliothèque porte aussi une réflexion en termes d'accessibilité vis-à-vis d'usagers handicapés ou pas, par exemple ? D'autres biais peuvent apparaître une fois qu'on est à la bibliothèque. Donc, le premier biais, c'était pour venir à la bibliothèque. Ensuite, une fois qu'on est à la bibliothèque, il demeure des questionnements. Il demeure des questionnements sur... on a parlé, en fait, peu ou prou de l'usage légitime ou non de la bibliothèque. Est-ce qu'il y a un usager idéal dans la pratique, qui a une pratique particulière qu'on est en droit d'espérer de sa part. Par exemple, espère-t-on toujours voir un usager qui va venir pour se forger une opinion à partir d'un choix éclairé et cohérent, ou est-ce qu'en fait on va avoir des usagers qui vont venir avec d'autres pratiques, et en fait il y a peut-être une distance entre ce que peut proposer le professionnel, ce que peut espérer le professionnel, et puis les pratiques réelles qu'il va observer. On a parlé d'autres types de domination également, des dominations de genre notamment. On aurait pu parler également d'autres types de violences, une violence plus symbolique, je voulais dire, d'un point de vue, par exemple, il y a eu des réflexions, des grandes discussions, faut-il mettre Closer à la bibliothèque, faut-il proposer 50 nuances degrés, faut-il proposer du Daniel Steele ou quelque chose comme ça. Ça, c'est des réflexions qui ont eu lieu et qui existent. Il peut y avoir comme ça une espèce de regard condescendant du professionnel vis-à-vis des usagers. En tout cas, tout ça, ça peut participer dans la création de cette question de vecteur d'inégalité que peut porter le professionnel des bibliothèques. Et puis, partant de l'ensemble de ces biais qu'on a identifiés, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on aurait pu le faire, mais là, il reste plus beaucoup de temps, c'est quelle réponse à ces biais ? Alors, on a évoqué quelque chose, il y a eu l'évocation de ces stages de réflexivité par M. Goulet, qui était, à mon sens, intéressant. En tout cas, la première chose à avoir, c'est déjà d'être conscient de l'existence de ces biais, pour pouvoir ne serait-ce que les appréhender et essayer d'y répondre. Ensuite, il y a une question de partenariat. On n'a pas encore beaucoup parlé de partenariat, mais également d'impliquer les usagers. Comment est-ce qu'on peut mieux les engager, les connaître, connaître ces publics, à qui on s'adresse exactement. Comment est-ce qu'on peut valoriser ces publics, valoriser les différentes communautés. Comment est-ce qu'on peut, au-delà de les valoriser, co-construire avec elles, c'est une réponse également, pour aller au-delà des biais qui peuvent exister. Et réduire ces potentielles inégalités. Et partant, en fait, tout simplement, comment sensibiliser les équipes. On a terminé sur des questions de formation également, d'école, de profil professionnel. Et donc, du coup, tout ça, c'est des réflexions qui peuvent se poser sur comment est-ce qu'on va analyser ces pratiques d'une part et comment est-ce qu'on peut recruter d'autre part. Voilà pour l'ensemble des éléments que je pense avoir pu restreindre. Est-ce que j'ai bien résumé l'ensemble des réflexions ? Si vous avez, il est 4 heures, donc je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite une bonne fin de congrès.